Bonjour à tous, c'est Cédric, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, la deuxième partie sur l'offre et la négociation. Avant d'aller plus loin, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne. Voilà, vous trouvez le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo pour rien rater des prochaines vidéos, des nouveaux conseils, des astuces. Voilà, je vous invite vraiment à vous abonner. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie du thème offre et négociation, je vous invite tout de suite à cliquer juste au-dessus pour rien rater. Voilà, on peut parler un petit peu de comment remplir une proposition d'achat, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, en quoi ça vous engage en tant qu'acheteur, en quoi le vendeur est engagé. Et du coup, dans l'offre d'achat, il y a un élément déterminant à remplir, c'est évidemment le prix proposé. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de la négociation. Donc voilà, il faut savoir que dans un achat immobilier, dans un investissement immobilier, c'est le moment où on peut réussir à gagner de l'argent rapidement et beaucoup d'argent. C'est à l'achat qu'on fait des belles affaires dans l'immobilier. Ça, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, je vous le répète, c'est à l'achat qu'on fait des belles affaires dans l'immobilier. Donc, il faut pour ça réussir une belle négociation, essayer d'acheter le plus bas possible. Mais pour pouvoir acheter le plus bas possible, il y a pas mal de choses à mettre en place. Déjà au niveau de son état d'esprit. Encore une fois, une négociation, c'est une rencontre acheteur-vendeur. Et il faut savoir que dans l'état d'esprit, moi voilà, je suis agent immobilier depuis 10 ans et je peux vous dire que voilà, je fais vraiment le lien entre cet acheteur et ce vendeur. Et je le vois à 95%, le vendeur est beaucoup plus tendu, beaucoup plus stressé que l'acheteur. Et encore, moi je fais principalement de la résidence principale, donc c'est encore un cas différent. C'est encore plus accentué dans l'investissement immobilier puisque vous, en tant qu'investisseur, il n'y a pas d'obligation d'achat pour se loger. C'est vraiment de l'opportunité pour trouver une belle affaire. Tandis que le vendeur, lui, il a besoin de vendre. Sinon, il ne mettrait pas en vente. Donc, il a peut-être un projet qui est plus ou moins important derrière. Ça peut être pour acheter autre chose. Ça peut être pour partir en retraite. Ça peut être parce qu'il a des problèmes d'argent. Enfin, dans tous les cas, il y a un projet. Donc ça, il faut savoir que dans une négociation acheteur-vendeur, le vendeur est toujours plus stressé et plus tendu que vous. Donc ça, l'oubliez pas quand vous démarrez. Donc, vous pouvez oser aller faire des offres plus basses, elles seront de toute façon entendues. Ensuite, une fois que vous savez cet élément au niveau de l'état d'esprit de votre vendeur, il est important, et j'en ai déjà parlé, de connaître son profil. J'avais fait une vidéo sur le bon vendeur, si vous ne l'avez pas vu, hop là, juste au-dessus, je vous la remets, allez la voir. C'est important de connaître son vendeur, de connaître la raison pour laquelle il vend. Tout ça, c'est déterminant pour l'approche que vous allez avoir pour votre négociation. Donc, encore une fois, voilà, le vendeur, gardez ça bien en tête et stressez, connaître son profil. S'il a une obligation de vendre vite, si le bien est en vente depuis très longtemps, tout ça, c'est des éléments favorables à la négociation. Donc ça, il faut le savoir. Essayez de vous renseigner. Si c'est par agence, très souvent, les agents vous donnent des indices. Voilà, sinon, essayez de causer, essayez de trouver des petites astuces. Mais voilà, c'est important de connaître le profil du vendeur. Ensuite, l'élément qui va vraiment être déterminant pour pouvoir vous permettre d'arriver avec une offre basse, plus basse que le prix proposé, voire très basse, c'est comment vous allez argumenter votre offre. La première chose, il faut savoir que le vendeur, il a deux stress. D'une part, de ne pas vendre, je vous en ai déjà parlé, et d'autre part, que le jour où il va trouver un acheteur, que l'acheteur n'arrive pas à acheter parce qu'il n'a pas son crédit. Ça, c'est la grosse angoisse, la deuxième grosse angoisse du vendeur. Donc pour ça, vous pouvez tout de suite désamorcer cette angoisse. Lorsque vous arrivez avec une proposition d'achat, allez voir votre banque en amont, demandez-lui un accord de principe. Donc, il vous fera une simulation, ça n'engage en rien, ça rassure énormément le vendeur. Même si de manière juridique, ça n'a aucune valeur, ce n'est pas un accord de prêt ou autre, c'est vraiment un accord de principe pour montrer que sur le papier, vous êtes finançable sur ce projet-là. Faites-le, c'est très très important. Vous le mettez avec votre proposition d'achat, si vous envoyez par mail en pièce jointe avec votre proposition d'achat, c'est très important parce que comme ça, l'agent immobilier, s'il va directement négocier, il dira « Voyez, je vous ai amené un client, ce client, sa banque le suit sur X tel montant, 85 000 euros, et il fait cette proposition, donc tout passe, je suis verrouillé et autres. » Donc ça, c'est super important, c'est quelque chose de très apprécié et croyez-moi, il n'y a pas grand monde qui le fait. Donc faites-le. Faites-le encore une fois, vous pouvez faire ça par téléphone, par mail, votre banque elle vous l'envoie directement. Ensuite, l'important c'est d'expliquer les choses. Les gens sont pas bêtes, les gens comprennent bien et voient bien les défauts de leur bien. Comme je vous disais, souvent ils ont peur de pas vendre ou d'avoir des difficultés à vendre, donc ils ont bien conscience des défauts de leur bien. Donc là-dessus, profitez-en.
appuyer sur tous les éléments. Si le bien est un peu sombre, vous le mettez. S'il y a la cuisine à refaire, vous le mettez. Si le sol est à changer, vous le mettez. Si il est à un étage élevé sans ascenseur, vous mettez qu'il n'y a pas d'ascenseur. Si c'est un premier étage sur rue, vous mettez que c'est bruyant. Voilà, tous les éléments. Moi, ce que je fais systématiquement quand je sors d'un bien, je liste tous les éléments sur lesquels je pourrais appuyer. Vraiment, du premier détail au dernier. Si les parties communes ne sont pas propres, si le voisin faisait du bruit quand je passais. Enfin, vraiment, j'y vais énormément sur tous les éléments. J'accentue sur tout ça. Donc, tout ça, vous pouvez le mettre en argumentaire dans votre mail. Vous faites un mail avec la proposition d'achat, l'accord de principe en pièce jointe et vous expliquez tout ça, donc tous les défauts que vous pouvez trouver. Encore une fois, je vous ai parlé dans une vidéo précédente des différents documents à demander. Ça, encore une fois, c'est des éléments de négociation. Je vous avais parlé des diagnostics. Je reviendrai en détail dans une prochaine vidéo très rapidement sur les diagnostics. Si l'électricité n'est pas aux normes, c'est un défaut. S'il y a des travaux qui vont arriver, c'est un défaut. Enfin, voilà. Tout ça, tout est à utiliser. Mais tout ça, il faut l'expliquer. Vous l'expliquez, vous prenez vraiment le temps de rédiger un mail vraiment complet qui reprend tout. Et en amont de ce mail, avec tous ces éléments, je vous conseille, et c'est même plus qu'un conseil, faites-le, vous parlez de tout ça par téléphone d'abord. C'est-à-dire que si vous vous traitez directement avec un vendeur, vous l'appelez et vous lui expliquez, voilà, votre bien m'intéresse. Par contre, j'ai noté tel problème, il est sombre, mal exposé, il y a des travaux, j'en ai pourtant, les radiateurs sont à changer, je sais pas, enfin, il y a plein de choses. Sur le diagnostic énergétique, il est pas bon, il y a ça qui est pas bien. Donc voilà, vous listez tout et vous lui donnez votre prix, pardon, mais en dernier. Parce que très souvent, surtout quand vous avez affaire au vendeur directement, il peut arriver qu'ils vous disent, quand vous alimentez, pardon, vos arguments pour dénaturer un peu le bien, qui disent « Ah, mais vous savez, c'est négociable, je peux faire un effort de temps. » Donc là, tout de suite, vous pouvez taper très bas si vous avez ce genre de remarques par le vendeur. Donc après, vous pouvez donner votre prix. Vous dites « Voilà, pour ces éléments-là, je suis prêt à vous faire une offre de temps. » Donc évidemment, si par exemple, je reprends mon cas, le bien est à 100 000 euros, vous avez prévu de l'avoir à 85 000, vous n'allez pas faire 85 000 tout de suite. Vous allez faire 80 ou 78 000, quelque chose comme ça. Et en fonction de sa réaction, s'il vous dit « Ah non, mais c'est trop bas » et autres, vous pouvez très bien dire « Bah, je vais voir ce que je peux faire. » Et dans ces cas-là, dans un deuxième temps, vous lui envoyez une offre un tout petit peu plus élevée, mais pas encore à votre prix plancher. Et ça, c'est le dernier conseil que je vais vous donner. C'est très important de se fixer un prix plancher. Là, on va dire, dans l'exemple que je vous ai donné, 85 000 euros. Ça veut dire que 85 400 euros, vous n'y allez pas. Il faut toujours, toujours se fixer un prix plancher qui ira avec votre montage par rapport au loyer que vous allez encaisser, à la rentabilité que vous souhaitez avoir. Mais c'est très, 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 très important de se fixer un prix plancher. Donc là, en l'occurrence, par exemple, 85 000 euros. On n'ira pas au-dessus d'un euro. Maintenant, évidemment, on ira volontiers en dessous. Et ça, c'est très, très important. Tout ce qui est surenchère, s'il y a un autre acheteur qui vient, vous oubliez. Voilà, votre prix, il est de temps. Vous n'irez pas au-dessus. Vaut mieux rater une opération que commencer à partir même pour 1000 euros de plus, parce qu'après, on ne sait pas où ça s'arrête, ces affaires-là. Donc honnêtement, prix plancher, c'est très, très, très important. Souvenez-vous-en. Je vous encourage vraiment à suivre ces conseils. Et encore une fois, expliquez les choses. Montrez-vous rassurant au niveau de votre financement. Et un prix plancher, ça c'est vraiment les choses très très importantes, et n'oubliez pas, le vendeur est beaucoup plus stressé que vous, il a envie de vendre, il est sûrement plus pressé que vous et beaucoup plus angoissé sur l'idée de pouvoir vendre son bien. Donc vraiment, souvenez-vous de tout ça et à vous de jouer. Une belle proposition d'achat avec tous ces éléments, normalement vous devez réussir de belles négociations. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur la négo. J'espère que ça vous a plu. En commentaire, je vous invite tout de suite à mettre vos remarques, si vous avez d'autres questions, s'il y a des précisions sur ce que je viens de vous dire, ou si vous-même, vous avez d'autres techniques de négociation, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre des pouces bleus. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Restez branchés et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt, ciao.